Quel comportement adopter face aux chiens de protection? La montagne est un espace préservé où s'exercent de nombreuses activités, randonnée, trail, VTT, mais il ne faut pas oublier que l'on peut être amené à rencontrer des troupeaux, car l'activité pastorale est présente dans notre région. Si vous croisez un troupeau, vous serez probablement amené à faire la rencontre d'un ou plusieurs chiens de protection, communément appelés patous. La plupart du temps, ce sont des chiens de montagne des Pyrénées. Mais d'autres races existent aussi. Berger d'Anatolie, berger de Maremme, chiens de montagne portugais. Ces chiens d'aspect souvent massif ont un rôle dissuasif. Ils doivent protéger le troupeau des prédateurs, par exemple le loup. Ainsi, ils viendront probablement à votre rencontre. Et c'est leur rôle en aboyant. Ils travaillent de façon autonome par rapport aux bergers et sont souvent plusieurs. Quelques comportements simples permettent que tout se passe pour le mieux. Tout d'abord, arrêtez-vous. Attendez qu'ils viennent à votre rencontre. Évitez tout comportement qu'ils pourraient mal interpréter. Crier, courir, brandir vos bâtons ou encore jeter des pierres. Au contraire, même si ça peut être impressionnant, ça l'est souvent, laissez le chien faire son travail de contrôle. Lui parler calmement, baisser les yeux, évitez d'essayer de le caresser. Vous pouvez même bâiller. Une fois que le chien a fait son travail de contrôle, vous pouvez continuer votre chemin. Contournez au mieux le troupeau sans le traverser. Le chien va probablement vous suivre. Pas d'inquiétude, il fait son travail. Il s'arrêtera une fois que l'on se sera éloigné du troupeau. Pour les vététistes, en premier lieu, arrêtez-vous. En effet, ce sont principalement les bruits métalliques de la chaîne du vélo qui énervent les chiens. Évitez tout comportement menaçant ou agressif, tel que coup de pied ou leur lancer l'eau des gourdes. N'essayez pas de les semer. Descendre du vélo, rester calme, attendre la fin du contrôle. Ensuite, contournez le troupeau en poussant le vélo à pied. Quelle que soit votre activité, les précautions à prendre sont les suivantes. Renseignez-vous avant votre départ sur les espaces pastoraux, auprès d'un office de tourisme et, dans la mesure du possible, évitez de prendre votre chien dans les zones de pâturage. Le chien de protection peut le considérer comme une menace pour le troupeau. Sinon, à l'approche du troupeau, tenez-le en laisse et ne le prenez pas dans vos bras. Si le chien de protection est trop agressif, le mieux à faire est de rebrousser chemin. Il est important de rester face aux chiens, de ne pas leur tourner le dos. Si néanmoins un incident se produit, vous avez la possibilité de rédiger une fiche incident pour la direction départementale des territoires. Elles sont disponibles en office de tourisme ou sur Internet. Surtout, n'oubliez pas, la montagne est un espace partagé, lieu de loisirs pour certains et de travail pour d'autres. Restons calmes et courtois pour que l'on puisse tous en profiter pleinement.